Nous saluons tout le monde qui est toujours ensemble avec nous. Nous espérons fortement par la grâce de Dieu. Et classico, en pile la polémique qui était jouée pendant ce maintenant dans la presse européenne. Et match qui était opposé Real Madrid et FC Barcelone. Nous connaissons classique des classiques. C'est un match au niveau des clubs qui plus vraiment est médiatisé dans le monde au niveau des clubs. Eh bien, 30e journée dans Liga espagnole là côté équipe Real Madrid à recevoir équipe et FC Barcelone. Il y a un pile bagaille qui parlait. Gérard Piqué après match a vraiment sorti vraiment dans place officielle côté le théier. Les vins vraiment chambré arbitre critiqué lui et criminalisé arbitre pour des actions qu'il lui-même lui estime arbitre lui-même pas soufflé au détriment vraiment des Blaugrana et comme et vraiment et dernière minute dans match football là et Martina Boyfouet ou bien Martina Bratouet qui était vraiment épinglé ou bien par Ferland Mendy action ça Gérard Piqué lui estime que lui-même a gain pénalité également Ronald maintenant qui te parlé dans le micro la presse qui dit que tout le monde ouais ça qui passait à c'est celle habite là qui ouais lui-même pas gain pénalité mais d'après lui-même bagaille ça yo mérité changer. Gérard Piqué également qui te critiqué habite là pour 4 minutes additionnelles li te bail là parce que yo estimé que te gain plusieurs minutes qui écoulé dans le match football là pendant 7 ans habite là sur seulement 4 minutes li bail et plus même Gérard Piqué ça li te vraiment rencontré ensemble avec Luka Modric, tu as parlé ensemble avec Messi, yo Lionel Andrés Messi qui t'a joint arbitre là tout qui t'a protesté arbitre là dit que si vraiment Messi pas connaît principal ou bien règlement et football là il est capable d'expliquer Messi à des du bec et des ongles. C'est toute parole chariot qui t'a parlé vraiment après match football là mais l'essentiel et Liga l'irrité 8 journées. Et 8 journées qui étaient toutes bagailles qu'a fait, toutes bagailles capables de faire. Parce que Atlético Madrid, pour le présent moment, gagne 67 points. Équipe Real Madrid, la gagne 66 points. Et plus, équipe FC Barcelone, dans lui-même, il gagne 65 points. Gagne FC Séville qui est en 4e position, qui gagne 58 points. Mais également, qui a vu, je vous dis, à content, Celta Vigo. Yon victoire Séville, yon, a pas passé avec un 61 points. Là, où est comment? Liga, saison ça, li extrêmement important. Dans 8 journées, ça yo, c'est 8 finales et en pile moun, yo même, y a fixé yo dans Liga espagnole. Ça veut dire que c'est une Liga qui mettait en pile attention sous lui. Real Madrid a gagné plusieurs joueurs qui blessés. Lucas Vasquez qui était sorti sous blessé, même ici là, li vraiment à route vraiment pour plusieurs matchs, et en parlant de Lucas Vasquez, mais pour Federico Valverde, lui-même qui était sorti, et sous blessé, et c'est pas tellement grave pour Federico Valverde, et gagner Casemiro qui pape là dans la prochaine journée dans Liga, parce qu'il était pris un carton rouge, non, et vraiment classico, et c'est deuxième carton rouge Casemiro ensemble avec l'équipe Real Madrid, là, et c'est information, ça y est, que nous-mêmes nous capables de baou. Et il était 8 journées dans Liga, nous connaissons vraiment 38e, 38 journées qui ont même ont toujours joué dans le championnat espagnol là, il était vraiment 8 journées. Eden Hazard, d'après Zinedine Zidane, il n'a pas pressé ensemble avec Eden Hazard, il a vraiment pris en pile précaution pour retour Messi. Ça veut dire Eden n'a pas joué dans le match qui a joué contre Liverpool, là, ils ont préféré tendre Messi pour capable retourner contre Getafe. Et équipe Atlético Madrid, là, hier, qui lui-même a fait match nil sous la pelouse, vraiment, de équipe Betis, là, dans Benito Villamarina, c'est un goal pour tout match football, là, fini. Ils n'ont pas de service à Luis Suarez qui est blessé. Et ils ont gagné des gens qui toujours marqué goal pour eux, qui c'est Marcos Llorente, qui pas de jouer match football là pour cumuler des cartons, et bien il fait un goal partout. Gain Barcelone est vraiment match qui était plus cantonné la presse européenne. Et c'est Classico qui était fini en faveur équipe Real Madrid là. Qu'on a un classement qui est très serré. Et Real Madrid en deuxième position, Atlético Madrid en première position pour un point. Il prend Real Madrid. Et plus équipe et Barcelone en troisième position.
C'est comme ça, bagay yo dans Liga. La presse italienne, vraiment, yo, pour un geste Cristiano Ronaldo, qui même, yo pas de comprendre bien. Après match, Juventus en Turin qui t'a joué contre l'équipe, et vraiment, et dans journée, ça, yo t'a joué. Mais Cristiano Ronaldo qui pas de marqué, eh bien, gagné, yon ramasseur des balles qui demandait Cristiano Maio, li. Le Cristiano retire Maio pour que li baye ramasse des balles là. Et la presse pas de comprendre, jamais si a été vraiment, et fait geste là, yo te dit que, c'est Cristiano Ronaldo lui-même lui fâché parce qu'il n'est pas marqué. Mais Cristiano lui-même lui répond, lui dit que c'est un monde humble, c'est un monde comme tout le monde, un monde qui soucie de pour aider le monde, un monde qui est très compréhensif, c'est un monde en tant que tout le monde, c'est une personnalité publique. Vraiment, tout le monde a envie qu'on ait ni, mais il est très, très, très sympathique envers vraiment le monde. C'est ça Cristiano Ronaldo lui-même lui fait qu'on est. Et c'est comme ça, bagayoye, Cristiano Ronaldo qui éclaircit les situations qui t'est passé à ses pattes vraiment nerveux. Il t'est nerveux, c'est question que il t'a pas vraiment offert maillot ensemble avec ramasser du balle là. Sergio Ramos vraiment est dans vestiaire équipe Real Madrid là après Classico, après victoire devant Liverpool et victoire devant équipe FC Barcelone, eh bien, tout vestiaire madrilène, yo-même, yo croit que yo capable de faire vraiment doublé A, que ce soit dans la Ligue des Champions ou dans le championnat d'Espagne là, mais si yo très confiant et par rapport avec côté yo sorti et dans le commencement saison 1 et plus dans fin saison là comment yo même yo gagné moral yo très au point fixe yo pensé que yo capable vraiment et prendre ni Ligue des Champions ni championnat d'Espagne là c'est affaire à suivre finale Coupe du Roi c'est pour samedi qu'a venir là samedi côté équipe FC Barcelone dans les mêmes les poids jouer et vraiment finale là contre équipe et Atlético Bilbao, eh bien, c'est dans la CAI Séville, hein, yo, final ça, lui-même, l'a fait en question. Pour Blaugrana, yo, même, yo fait tout chaque dépendant, yo, pour yo remporter premier trophée, yo, pour saison, en attendant, tant 8 journées, 24 points qui étaient dans la Liga. 8 journées, 24 points, c'est du grand tard, et pas gain 5 points qui vraiment séparé premier équipe là avec troisième équipe là. Ça veut dire c'est un bagage qui vraiment animé, et madame du monsieur. En France, Lille continue qu'un tête classement, après l'été fin battant équipe vraiment Metz là, eh bien, Parisien, yo, qui, même, qui bat tout, Paris Saint-Germain toujours en première position, équipe en Monaco, lui-même, qui vient d'en passer en troisième position. Eh bien, et plus en Italie, c'est toujours équipe Inter de Milan, lui-même, qui a fait la pluie et les beaux temps. Dans Ligue des Champions, dossier Ligue des Champions, équipe Bayern de Munich, là, je gagne Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui dit que yo tout prêt pour yo qualifier devant équipe Paris Saint-Germain parce que yo plus fort passer équipe parisienne. D'après Joshua Kimmich. Men Abdouk tout, et yo pas gagné service et Nicolas Soulé, yo pas gagné service en Serge Gnabry, yo pas gagné service Robert Lewandowski, avec son équipe Bayern Munich qui déplacé Kai Parisien yo, vraiment sans plusieurs cadres, dans l'équipe là. Mais pour Parisien, yo, yo gen service à Leandro Paredes, qui pas joué dans match Aléa. Y a gen service à Alexio Florenzi, qui était vraiment, t'es un problème en pandémie. Y a gen service à également Marquinhos, qui était frappé dans match Aléa, mais s'il est capable de démarrer sous les bancs des remplaçants. Également, y a perdu, messieurs, et Christel Kimpembe, qui pas là dans match pour Parisien, yo. Mais yo gen service à Maouikadi également, qui pas là dans match pour Parisien, yo. Mais il y a un service en plusieurs quarts d'heure, tant que Marco Verratti, lui-même qui intègre le groupe là, est vraiment intégralement Marco Verratti, lui-même là présent, parce que messieurs, ça nous connaît, c'est un ratisseur des balles dans le temps et vraiment terrain équipe parisien. Eh hein? Bien, lui-même qui patte là dans le match Aléa, Marco Verratti a bel et bien présent. Pour le match Real Madrid, là, gagné Real Madrid qui perdit plusieurs mouns, et nous connaissons Caval qui part qui beaucoup vraiment en forme, il y a gagné Sergio Ramos qui a autant pour moi, il a gagné Eden Hazard qui en phase de préparation qui pas convoqué pour match là et plus il a gagné Lucas Vazquez est vraiment un classico qui est lui-même blessé qui a autant pour plusieurs semaines et bien il a fait appel ensemble avec vraiment un jeune vraiment latéral et vraiment et Marvin pour venir remplacer Lucas Vazquez et
Moun nan kap habite match football sa, se Néerlandais a Johan nan Kupez, se li menman ki gen responsabilité nan match a, Real Madrid da kontre Liverpool la nan Anfield la, pou ke li menman li kapab souffle match football sa mercredi. Demain si Dieu veut, nan ap genyen ekip Bayern de Munich la ni menm ki ap en déplacement la kay Parisien yo, et puis RC Porto ki ap vraiment en déplacement la kay vraiment ekip Chelsea a. Se quart de finale retour kap joué, et puis le mercredi, et Real Madrid dans li menman l'ap joué contre équipe Liverpool là et plus Borussia Dortmund les mêmes la prétendant des pieds fermes équipe Manchester City a question pour que yo capable joindre et équipe cap qualifié pour vraiment demi-finale de cette compétition. Amis auditeurs auditrices, c'est vraiment point ça yo nous te porter pour non et vraiment et revue de presse nous espérer ou en forme par la grâce de Dieu n'a croisé dans une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, ciao.